Jadis, maître ou parent, nous laissait pas tellement le choix. Les rapports sexuels, on parlait pas de ces machins-là. Mais depuis que la radio cause d'orgasme et de ménopause, tout le monde sait qu'un fœtus, c'est le truc qui crèche dans l'utérus. Déjà à la récré, on se montrait nos petits bouts de barbac. La braguette coupable, comme si on venait de violer Jeanne d'Arc. Pourtant deux testicules, ça vaut bien deux rotules. C'est quand même pas de leur faute s'il y en a une qui est plus basse que l'autre. Comme un papa fait un petit frère à maman, c'est à l'école qu'on nous l'apprend. Ça vaut pas la peine de se frapper le bocal. On se demande tout de même comment ils font pour pas se faire mal. Le prof a expliqué comment papa aime maman. Ils ferment la porte à clé et ils arrachent tous leurs vêtements. Ils se caressent, ils soupirent, ils se sucent la tirelire. Ils se mettent en position et ils constatent une érection. Quand la verge a durci, c'est que les bourses remontent au trot. Le vagin qui voit ainsi que c'est pas le moment de louper le métro. Dispose la salle des fêtes, je lubrifie la pâquerette. Le pénis quant à lui, il entre et il fait comme chez lui. Comme un papa fait un petit frère à maman, c'est à l'école qu'on nous l'apprend. Ça vaut pas la peine de se frapper le bocal. On se demande tout de même comment ils font pour pas se faire mal. Qu'on soit l'aigle royal ou qu'on ait le zizi d'un roitelet, le prof dit que l'idéal c'est de pas laisser déborder le lait. Pour des raisons majeures, y en a qui tiennent des heures. Mais y'a des mecs pressés qui ont fini avant de commencer. Quand un petit spermatozoïde entre dans le vagin, qui rencontre l'ovule et il lui dit salut frangin. On pourrait, ce me semble, faire des petites choses ensemble. L'autre lui dit d'accord, ça me va, et il danse la java. Comment papa fait un petit frère à maman, c'est à l'école qu'on nous l'apprend. Ça vaut pas la peine de se frapper le bocal. On se demande tout de même comment ils font pour pas se faire mal. Quand on veut pas de mouflet pendant l'ovulation de la dame, y a toujours la pilule, le stérilet ou le diaphragme. C'est quand même plus commode que de pratiquer l'exode en se retirant d'un bond comme un évêque après le sermon. Dans le plaisir à deux, on peut échanger ses pensées. Dans la masturbation, on sait jamais à qui causer. Y a bien quelques brins de zinc qui ont dit que ça rend sourdingue. Beethoven, qui était pas fier, a quand même fait une belle carrière. Comme un papa fait un petit frère à maman, c'est à l'école qu'on nous l'apprend. Pas la peine d'en faire toute une cathédrale. À part les hypocrites, les gens normaux trouvent ça normal.